quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté, tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au circuit de Suzuka pour le 17e Grand Prix de la saison. Nous sommes au Japon, les dernières évolutions sont installées. Place au spectacle sur l'anneau, le 8, mythique japonais. Nous sommes de retour sur l'une des meilleures, mais aussi plus anciennes pistes du calendrier de Formule 1. Bienvenue à Suzuka, où la séance d'essai va bientôt démarrer. Me revoici avec Nicolas Martin. Bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre. Quelle quantité d'informations obtient-on sur simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit? C'est une bonne question. Et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analyse ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Et après avoir fait escale du côté de Singapour et de la Malaisie, dernière étape de la tournée asiatique de cette saison de Formule 1, place au Grand Prix du Japon sur le célèbre 8 de Suzuka et on débute tout de suite avec la partie de la découverte de la piste qui est demandée dans le programme de développement. Programme de développement qui va bientôt toucher à sa fin, pourquoi? Eh bien parce que McLaren est deuxième du championnat au niveau de la recherche et du développement. On arrive à avoir une voiture qui est la deuxième meilleure du voiture du plateau à ce stade-ci de l'année, alors on va bientôt penser à arrêter le développement pour se tourner vers les points de recherche consacrés à l'année 2017. En attendant, c'est sous le soleil et sous les glissades de Stoffel Vandoorne que je vous accueille donc pour le 17e Grand Prix de cette saison. On va voir comment on peut continuer sur cette superbe lancée après le Grand Prix de Singapour qui était incroyable pour McLaren et le Grand Prix de Malaisie. On va pouvoir avoir de nouveaux beaux résultats, on l'espère, du côté de la piste de Suzuka. Avec, vous le voyez, pas mal de blocages de roues pour Stoffel Vandoorne. C'est compliqué pour le pilote belge. Après une belle cinquième place qui aurait dû être un podium du côté de Sepang, hein, il a exulté à la radio face à Felipe Nasser qu'il avait complètement bloqué lors de son dernier run. Le pilote belge se retrouve ici avec une voiture de nouveau compétitive sur un circuit qu'il aime bien et surtout devant le public le plus attentionné, le plus passionné certainement de la saison pour lui, avec le moteur Honda qui anime cette McLaren depuis le début de saison. Et il va y avoir ici beaucoup d'attentes et d'exigences de la part du motoriste nippon et on va voir si on va pouvoir les respecter du côté de chez McLaren. Fin de cette première séance d'essai libre ici et le tour de présentation avec Stoffel Vandoorne se passe bien. Ça n'est pas exceptionnel, ça n'est pas parfait évidemment, mais de quoi ramener déjà de bons points de recherche et de développement pour l'une des dernières évolutions de cette saison 2016. On jette un œil au résultat de cette première séance d'essai libre avec la Scuderia Ferrari qui est toujours au beau fixe. Belle performance d'Alonso avec les pneus hard derrière. Rien de bien surprenant, si ce n'est peut-être Valtteri Bottas qui est un petit peu plus loin. Mais on a l'habitude de retrouver le pilote Williams en retrait dans les essais libres. Et vous le voyez, on plonge dans ce premier secteur avec la deuxième étape qui est dédiée lors de cette deuxième séance d'essai libre à la recherche de la gestion des pneumatiques pour gagner de nouveau des connaissances avec ces gommes. Et vous le voyez, pour Stoffel, ça n'est pas simple d'évoluer dans les S de ce premier secteur qui sont extrêmement techniques et qui demandent un placement parfait du train avant de la voiture, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas du côté de chez McLaren Honda. On arrive ici dans les parties du Degner avec beaucoup de survirages. Ici, une série de virages extrêmement dangereux. On tombe ici vers le droit qui nous ramène sous le tunnel, cette partie très courte ici. Voilà le petit tunnel où l'on switch et vous constatez d'ailleurs que ça s'est très bien passé au niveau de la recherche du développement puisqu'on a tout simplement fait 6 tours dans le mauve. Pour vous expliquer un petit peu, si vous découvrez comment ça se passe, 6 tours dans le mauve, ça veut dire que l'on a très bien géré l'usure des pneumatiques, on est resté dans la partie la plus idéale des gommes et enfin on a réussi à faire un tour assez rapide pour passer sous un temps pivot qui nous permet de valider tout cela. On est ici dans le gauche de Spoon qui a ce nom là tout simplement parce que il a le nom et la forme d'une cuillère, c'est ce que signifie Spoon en anglais. La grande descente ici sous les arbres avec un DRS qui pourrait jouer son rôle, on le rappelle, cette particularité en F1 qui pourrait devenir très importante. Le gauche du 130R qui se passe normalement pied à fond
pour toutes les voitures, même si parfois on doit soulager un petit peu pour le moteur. La dernière chicane, ici, la chicane Casio, et ensuite on redescend vers le transpondeur qui est tout ici, vous le voyez, l'ouverture du DRS, et voilà le transpondeur, et c'en est fini pour cette recherche pneumatique effectuée en pneus médium. Je rappelle que pour ce week-end, les pilotes auront droit aux pneus hard, médium et tendre. Les pneus tendres, donc, qui offrent le meilleur temps de cette deuxième séance à Fernando Alonso devant Sébastien Vettel et les deux Red Bull. Les Toro Rosso sont toutes les deux dans le top 10. Belle performance de la part de la petite structure italienne. Samedi matin, dernière séance d'essai libre sur la piste de Suzuka. Une des dernières occasions de pouvoir tester sa voiture et pourquoi pas en condition de qualification. C'est ce que va faire McLaren avec les pneus soft chaussés par Stoffel Vandoorne lors de cette dernière séance d'essai libre ici à Suzuka. On va voir si le pilote belge peut redresser un peu la barre, puisqu'il est vrai que dans les deux premières séances du vendredi, ça n'a pas été la folie. Et on va voir surtout si McLaren décide de poursuivre jusqu'au Grand Prix des États-Unis, 18e étape de cette saison, eh bien, la recherche et le développement de sa voiture. Va-t-elle tout simplement stopper découverte de cette énigme, réponse à cette énigme d'ici quelques minutes. On continue l'évolution, vous voyez qu'on attaque très très fort du côté de Stoffel, on est en confiance. Fernando Alonso qui a un regain également depuis cette deuxième partie de la saison, avec une voiture qui lui va beaucoup mieux, une phase B de cette McLaren Honda qui fonctionne bien, et l'année prochaine, eh bien, les monoplaces noires pourraient devenir des candidates au titre dès le début de saison, avec notamment Melbourne. On verra de toute manière comment l'hiver jalonnera les performances des unes et autres équipes. Beaucoup de mouvements également au niveau des transferts, on vous en parlera un peu plus pendant la course, mais ça bouge du côté de chez Renault, Force India également. On va avoir pas mal de changements peut-être déjà pour la saison prochaine. En attendant, on termine ce troisième moment important du week-end, la séance d'essai libre 3. En ce samedi matin, disputé sous des nuages, mais pas de pluie depuis le début du week-end, et cela devrait même tenir sans souci jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier dimanche. Dernière accélération pour le pilote belge, le verdict du chrono dans quelques instants. Et il en est terminé de cette phase d'essai libre 3. Les résultats avec donc Sébastien Vettel qui confirme sa bonne forme. Derrière, les Mercedes suivent. Et enfin, vous découvrez le reste du tableau. Beaucoup de pilotes ont travaillé en soft. Place désormais aux qualifications. Bienvenue au Japon sur l'impressionnant circuit de Suzuka pour les qualifications du jour qui devraient bientôt commencer. Quel type de réglage les pilotes vont-ils rechercher sur un circuit comme celui-ci, avec ses virages plutôt complexes? Est-ce simplement une question d'équilibre? Il est très facile d'être rapide en ligne droite. Il suffit de sacrifier l'appui aérodynamique. Mais sur un circuit comme celui-là, on a vraiment besoin d'adhérence à l'avant, ce qui va de pair avec l'appui. Maintenant, c'est évident qu'il ne sert à rien de tout miser sur la charge aérodynamique si c'est pour se faire dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Et comme vous l'entendez du côté de chez McLaren, on a décidé de partir à vide dans cette première séance d'essai, et surtout chaussée de pneus soft, parce que tout le monde va tenter sa chance. Il fait plutôt beau ce samedi après-midi après la dernière séance passée sous les nuages, et on se demande qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, la réponse à l'issue de ces trois séances de qualification qui sont en train de se disputer en ce moment même. La première donc, 18 minutes pour réaliser le meilleur temps et se classer dans les 16 premiers et ainsi pouvoir accéder à la Q2. On est à l'attaque maximale, vous le voyez, avec un Stoffel Vandoorne qui n'hésite pas à aller chercher les vibreurs. Pour l'instant, c'est le français Esteban Ocon sur sa manœuvre qui prend le meilleur temps provisoire, mais ça va commencer à défiler puisqu'on est dans la première partie de cette séance d'essai libre. Attention à Stoffel Vandoorne qui vient de bloquer ses freins et ses pneus du côté de l'épingle du fond, l'épingle Casio. On va voir comment cela va évoluer. Pour l'instant, un très bon premier secteur pour le pilote belge, une piste plutôt dégagée. On n'a pas traîné du côté de chez McLaren. Massa s'empare du meilleur temps en 1.37 pour l'instant, avec un très bon secteur 2 notamment. On va voir si ça peut évoluer. Évidemment, ça évoluera. On attend surtout les Ferrari et les Mercedes devant. Mais est-ce que McLaren va pouvoir, à domicile, sur cette piste où ils ont tant et tant roulé pendant l'hiver, pouvoir bousculer un petit peu la hiérarchie? Valtteri Bottas succède à son équipier. C'est désormais lui le plus rapide. Mais ça devrait encore changer d'ici quelques secondes avec l'arrivée vers notre cabine de Stoffel Vandoorne qui s'extrait de la dernière chicane. La descente désormais vers le transpondeur et le verdict du chrono dans cette première séance d'essai libre, 1.36.463. C'est une pole provisoire pour Stoffel Vandoorne, mais à l'issue complète de cette séance, c'est Fernando Alonso qui se retrouve premier avec le meilleur temps devant Raikkonen et Stoffel. On enchaîne avec la deuxième séance de qualification. Cette fois-ci, on tente un coup de poker du côté de Vandoorne. Partir en pneu médium, va-t-on réussir à entrer un chrono avec ce pneu
médium, qui est un pneu une demi-seconde à 6 dixièmes plus lent que ce que propose en fait le pneu soft, qui est le pneu le plus tendre, le plus rapide, le plus performant, mais avec une durée de vie moins longue. Alors, chez McLaren, on lance Stoffel Vandoorne en pneu médium, mais on lance Fernando Alonso en pneu soft. Alors, va-t-on mettre ces stratégies dans différents, ces œufs dans différents paniers hein, du côté de chez McLaren? La réponse à l'issue de cette Q2, avec de bon espoir de voir passer Stoffel en Q3. Il avait déjà tenté cette manœuvre à plusieurs reprises cette saison. Souvent, ça a été un échec. Mais on se rappelle que du côté de Monaco, ça lui avait offert la pole et potentiellement la victoire, même si ce jour-là, c'était l'Allemand Nico Rosberg qui avait été le plus rapide. On sort de l'épingle avec Vandoorne, ça continue d'attaquer pour le pilote belge et ça se passe bien pour l'instant dans cette deuxième séance avec toujours le soleil qui nous accueille. Ici du côté de Suzuka, on n'aura pas de problème de pluie, c'est désormais confirmé pour la course de demain. Au passage, vous remarquerez que Stoffel est avec une voiture montée en pneus plus durs et c'est un peu une erreur puisque... Eh bien, Fernando Alonso en pneu soft s'empare du meilleur temps. Alonso, rendez-vous compte, qui après avoir trusté la première séance d'essai libre, est en train de mettre tout le monde d'accord dès le début de la deuxième. On va voir à l'issue de ce tour ce que donnera la hiérarchie et qui seront les pilotes éliminés à l'issue de cette Q2 et qui fera partie des 10 plus rapides présents pour la Q3. Raikkonen de nouveau très présent en haut du classement et le vertige du chrono. C'est terminé pour Stoffel Vandoorne. Voici donc le classement et il est passé en Q3, et c'est le seul à avoir tenté sa chance en médium. Découvrez également les pilotes qui ont été éliminés. Belle performance quand même de Kevin Magnussen qui sera 11e et de Pascal Wehrlein qui a réussi à mettre tout de même sa manœuvre en Q2 à la 16e place. Un peu plus de nuages, un petit peu plus de fraîcheur, de quoi faire plaisir aux pilotes McLaren qui peuvent tout simplement tenter de verrouiller pour la première fois de la saison la première ligne de cette grille de départ. Et on va être très attentif où Alonso va se placer et où Vandoorne va réussir à mettre sa McLaren. On attend et le verdict ce sera dans moins de 2 minutes à l'issue de ce tour que l'on vit ensemble avec Stoffel Vandoorne. McLaren, Ferrari ou Mercedes, qui sera en première ligne de cette troisième partie de qualification? Le soleil commence à raser l'horizon ici à Suzuka, on commence à avoir les premiers stress qui commencent à monter sur les paddocks, les pieds commencent à trembler, les nerfs se serrer, les doigts à s'humidifier. On va voir qui va réussir à tirer une pole. Et ici à Suzuka, on le sait, avec le premier secteur, la pole est très importante. Pour l'instant, c'est Nico Rosberg, le pilote allemand, qui s'empare de la pole provisoire en 1.36. On va voir qui peut battre l'allemand. On sait que Mercedes est ici un peu à son désavantage puisque c'est désormais la troisième force du plateau derrière McLaren. Vettel s'empare désormais de la pole en 1.35.778. Va-t-on voir le pilote allemand en pole? La réponse d'ici quelques instants. Est-ce que Raikkonen, qu'on a vu en tête depuis le début du week-end, va pouvoir de nouveau confirmer à bord de sa Ferrari? L'un des leaders du championnat et candidat au titre va-t-il confirmer avant de partir de la région asiatique de ce calendrier pour se diriger vers le Kota au Texas avant le Mexique? Va-t-on voir quelque chose de nouveau? L'attaque, dernier virage pour Vandoorne, l'accélération, la sortie juste derrière Fernando Alonso qui ne prend pas la pole, mais il vient de compléter son tour, le pilote espagnol. Et c'est au tour de Vandoorne de terminer deuxième derrière Sébastien Vettel pour 3 petits dixièmes de seconde. Et la première ligne, la voici, tonnerre du côté de Suzuka puisque les deux McLaren seront sur les deux premières lignes. Meilleure qualification de l'année pour l'équipe britannique qui peut placer deux voitures dans le top 4. Félicitations à eux. Bonjour, ça va? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Emma nous informe donc qu'il faudra terminer au 5e rang devant Rosberg et Alonso dans ce Grand Prix du Japon. Bienvenue au Grand Prix du Japon. Cette épreuve a été décisive pour le championnat 11 fois et elle a aussi été le théâtre de courses mémorables. Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen, parti 17e en 2005, ou l'incroyable podium de Kamui Kobayashi en 2012? Ce parcours mythique fait 5,8 km. C'est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui composent ce tracé, car ici, la vitesse moyenne à la corde est la plus élevée du calendrier de Formule 1. Surveillez les dépassements dans la dernière chicane. Tout ceci se déroulera sous l'œil attentif de Nicolas Martin qui me rejoint pour la course du jour. En supposant que la météo se maintienne, qu'est-ce qui fera la différence aujourd'hui d'après vous ? La plupart du temps, les dépassements ont lieu dans la dernière chicane, ou à la rigueur à l'entrée du virage 1, avec de bonnes trajectoires et l'aide du DRS. Avec un peu de chance, on pourrait assister à des tentatives courageuses à l'entrée de l'épingle. C'est là que Kamui Kobayashi avait brillé lors du Grand Prix de 2010 pour terminer 7e.
Mais comme vous dites, tout dépendra de la météo. On sait à quelle vitesse les nuages peuvent arriver à Suzuka. Et si c'est le cas, tout peut basculer. Je te rappelle que le Grand Prix se déroule dans le pays de notre fournisseur moteur. Il faut le remettre plein la vue. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et Fernando Alonso s'élance à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, une McLaren, Rosberg, Daniel Ricciardo et Raikkonen, Verstappen, Sainz, Kvyat et Felipe Massa, Magnussen, Perez, Julian Palmer et Hülkenberg, Bottas, Verlaine, Lewis Hamilton et Romain Grosjean, Nasser et Gutiérrez, Marcus Ericsson et Rio Arianto complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. On est bon du côté moteur, alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température. L'information qui a fait la une des journaux au Japon ce matin, c'est McLaren Honda qui s'est placé 2 et 3e sur la grille de départ de ce Grand Prix du Japon. Ce qui nous annonce eh bien, pas mal de belles actions dès les premiers virages. On passe ensemble en revue les bons et les mauvais élèves de cette grille de départ du 17e Grand Prix de la saison. Eh bien, le premier bon point il va du côté de Fernando Alonso, le pilote espagnol qui a totalement réussi sa qualification. Depuis quelques courses, il est en train de monter en puissance et va-t-il peut-être détrôner son pilote belge équipier qui pourrait eh bien céder sa place de premier pilote acquis depuis le Grand Prix d'Italie. Kevin Magnussen et Julian Palmer seront 11 et 13e sur la grille de départ. On va voir si eh bien les deux monoplaces françaises peuvent marquer des points aujourd'hui. Elles en ont besoin dans leur lutte face à Manor et à Sauber. Attention, puisqu'on a laissé passer Fernando Alonso du côté de Stoffel Vandoorne. Attention, il faut laisser repasser le pilote de la McLaren. Non, ça ne passe pas. Alors, eh bien, Vandoorne va continuer puisque Alonso ne veut pas repasser. On continue la grille de départ avec la belle 13e place donc de Julian Palmer, je vous l'ai dit, et la 11e de Magnussen. Et la grosse déception, eh bien, c'est un des candidats au titre, Lewis Hamilton, qui partira 17e, bloqué en Q1 avec un problème mécanique. Le pilote britannique de la Mercedes devra faire fort s'il veut ne serait-ce que rentrer dans les points, ce qui est tout à fait probable avec la monture qui est la sienne aujourd'hui à Suzuka sous le soleil. Mais il n'y a que certains pilotes qui peuvent espérer cela, parce que par exemple Esteban Gutiérrez qui part 20e ou Esteban Ocon 22e, eh bien eux devront se contenter eh bien de faire de la figuration aujourd'hui du côté du tracé de Suzuka. On quitte la chicane Casio, les pilotes reviennent un à un sous le commandement de Sébastien Vettel, récupéré le remplacement sur la grille de départ de ce Grand Prix du Japon. Ils sont en train de revenir un à un, récupérer leur remplacement qui leur est indiqué sur le bord de piste par des petits panneaux. Et on va pouvoir assister tous ensemble au départ du 17e Grand Prix de la saison. Ici à Suzuka, ça risque d'être extrêmement serré. Et on va voir qui peut tirer son épingle du jeu. Est-ce que Ferrari va rester devant? Est-ce que Hamilton va remonter? Et surtout, où sera Alonso et où sera Vandoorne à l'issue du premier droit? La réponse dans quelques instants au moment du départ de ce Grand Prix de Suzuka. Les 5 feux s'allument quand ils s'éteignent, ce sera le départ. Et c'est parti avec un très bon envol des deux McLaren qui arrivent à très bien s'extraire de la grille. Vettel est battu, attention à Daniel Ricciardo qui pourrait s'infiltrer entre Rosberg et l'Allemand. Oh, et ça passe et Vettel est obligé d'aller mettre deux roues dans l'astroturf pour s'en sortir. Quel départ des deux McLaren Honda qui se retrouvent en tête devant Daniel Ricciardo et Nico Rosberg qui sont à l'explication. Voilà pour la troisième place, c'est très serré. Attention à ne pas se toucher dans les premiers hectomètres de ce Grand Prix du Japon. Et c'est passé pour eux. Oh, Ricciardo qui touche Nico Rosberg. Et le pilote allemand est désormais arrêté dans l'herbe. Et il va falloir tout refaire. Peut-il repartir? Attention, et voiture de sécurité virtuelle. Oh, et Stoffel Vandoorne qui a failli percuter Fernando Alonso. Les deux McLaren qui ont failli se mettre dehors alors que l'on déployait la voiture de sécurité virtuelle, première neutralisation dans ce Grand Prix du Japon. Oh, I almost hit Fernando. Tell him to be more gentle with the brakes the next time, guys.
Hey, Stoffel Vandoorne qui demande à ce qu'on ralentisse plus calmement du côté d'Alonso qui a donné un immense coup de frein dans le deuxième Degner. Et bien voilà, première neutralisation de ce Grand Prix du Japon avec donc Alonso en tête devant Vandoorne, Ricardo et désormais je crois Max Verstappen qui a pu peut-être passer les Ferrari, sinon et bien ce sera Vettel Verstappen. Voilà, les deux Ferrari sont derrière Max Verstappen. Et bien voilà. Et bien un départ qui aura fait deux belles victimes. Et non, donc on a bien Ricardo, les deux Ferrari et ensuite Max Verstappen. Sécurité virtuelle rentre, garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Et on ne va même pas rester l'équivalent d'un tour sous ce régime de drapeau vert. On va pouvoir à la sortie de la chicane relancer la course, voilà, c'est fait. Nous sommes officiellement sous régime de drapeau vert. Et les deux McLaren sont en tête avec une avance considérable du côté du troisième pilote. On s'est fait complètement larguer à la relance. Et oui, Ricardo qui est largué à plus de 5 secondes de Vandoorne. Et les deux McLaren qui tournent dans un rythme absolument incroyable. Va-t-on commencer à instaurer une stratégie du côté de l'équipe britannique? Va-t-on laisser Vandoorne aller attaquer son équipier? Pour l'instant, pas de cadeau entre eux. Raikkonen et je crois Vettel derrière avec Ricardo. Ouais, les deux sont en train de tenter de passer la voiture de Ricardo qui est très lente. C'est fait, Raikkonen est passé. Vettel va peut-être emboîter le pas de son coéquipier. Est-ce que la Ferrari peut prendre l'avantage sur les Red Bull? Attention, on joue très gros au niveau du championnat pilote et du championnat constructeur. Ils sont côte à côte dans le deuxième Degner. Attention, ça va être très serré. Vettel de nouveau obligé d'aller au-delà des limites de la piste face à la Red Bull qui reste devant. Et bien voilà, Ricardo a désormais un problème, c'est sûr, puisque regardez l'écart qu'a déjà pu prendre Raikkonen à peine après un demi-tour passé sous régime de drapeau vert. Il y a un problème sur cette Red Bull, c'est désormais indéniable. Et à Vettel maintenant de trouver une manière de prendre l'avantage. On revient sur Fernando Alonso, toujours en tête de ce Grand Prix du Japon pour le plus grand plaisir des nombreux fans de Honda présents ici. Il y a énormément de passionnés, certains regrettent même Jenson Button qui n'est pas sur la grille cette année. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il est présent dans le paddock ici. Jenson, après avoir cédé son baquet en début de saison aux jeunes Belges, eh bien il est ici toujours très apprécié malgré eh bien la retraite anticipée qu'il a dû observer après la saison 2015. Vandoorne avec quand même là une roue à la limite de la correctionnelle et le meilleur tour en 1.40.392 pour Fernando Alonso. On autorise désormais les pilotes à profiter du DRS et regardez l'écart Vandoorne en pneu médium qui arrive à tenir Fernando Alonso. Remarque assez intéressante à voir du côté de la stratégie si Vandoorne peut pourquoi pas aller remporter ce Grand Prix. Rendez-vous compte, les McLaren peuvent aller remporter une course à la régulière toutes les deux. Ça n'était jamais arrivé cette saison, c'était soit l'une soit l'autre. On retourne un peu dans le peloton avec ici le Danois Kevin Magnussen qui est à l'explication. Il vient de se faire passer par, je crois, Nico Rosberg qui tente de remonter, tout comme Lewis Hamilton qui partait 17e sur cette grille de départ. Magnussen s'est complètement loupé puisqu'il était aux alentours du 11e rang tout à l'heure, au moment de l'extinction des feux. Et le voici ici, voilà, derrière Lewis Hamilton, lui-même derrière l'une des Williams, qui est, je crois, Felipe Massa, si mon œil ne me trompe pas. Difficile de distinguer la couleur du casque depuis les écrans que l'on a dans notre cabine. Non, ce serait bien Valtteri Bottas, autant pour moi. Il faudra vérifier au passage du transpondeur. Avec Stoffel Vandoorne de retour ici. Oh, attention, Vandoorne qui est extrêmement large du côté de Spoon. Alors il y a quelques années, c'était un bac à gravier. Attention de ne pas prendre l'habitude. On retourne un peu plus loin dans le peloton, mais pas tant que ça, avec les deux Red Bull qui sont suivis, poursuivis même par les deux Toro Rosso. On a donc Ricardo Verstappen suivi par Sainz et Gviat. Et derrière, on a une force inédite. Regardez Vettel au premier plan. Et attention, l'attaque peut-être à la bord du 130R. Verstappen qui ne va pas avoir peur d'y aller sur son équipier. Et ça ne passe pas pour le jeune néerlandais. Devant, par contre, Vandoorne peut passer. Et il va aller chercher Alonso qui le laisse pas rendre l'avantage. Il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de chez McLaren. Et on sait que Vandoorne va faire un relais plus long que son équipier espagnol. Et derrière ici, je crois que Verstappen va aller attaquer et passe Daniel Ricciardo. Oh, et Verstappen qui a dû aller au large. Tout cela sous le museau de la voiture de Carlos Sainz, l'Espagnol. Un autre Espagnol est en tête. Fernando Alonso, deuxième. Et voilà, c'est peut-être ça la clé du dépassement. C'est que, eh bien, Stoffel Vandoorne, avec ses pneus médiums, va forcément tourner plus de tours que Fernando Alonso. Et il va ainsi pouvoir laisser passer
Van Dorn prendre peut-être un peu d'avance. Quoique, on a quand même un écart qui se réduit avec le pilote espagnol maintenant, qui va devoir conserver la Ferrari derrière lui. Van Dorn qui est en train de peut-être tenter un arrêt de moins que son équipier, ce qui pourrait être très important. On rappelle qu'ici, la pit lane est très longue, c'est quasiment 25 secondes de perdu lorsque vous effectuez un arrêt au stand, donc ça peut être très avantageux d'être parti avec les pneus médiums, ce qu'a pu faire d'ailleurs Van Dorn avec un temps en Q2 de la Sorda. Ah, par contre, là, ça ne peut pas résister, et Fernando Alonso qui cède sa deuxième place au pilote Ferrari, et voilà, et Raikkonen qui est l'homme fort du championnat. On savait que les McLaren pourraient profiter à un instant de leur avantage en piste dû à leur position sur la grille. Va-t-on rentrer au stand? Et oui, l'arrêt pour Fernando Alonso qui sent bien que ses gommes tendres sont en bout de piste. Et attention à la protection, est-ce que Raikkonen va déjà s'emparer de la tête du Grand Prix à l'extérieur dans les S? C'est très serré. Et Raikkonen en tête, mais Van Dorn qui prend l'intérieur et qui contre-attaque face au pilote finlandais. Et bien voilà, la Ferrari aura été en tête pendant une poignée de secondes grâce au DRS. Mais Van Dorn est devant, mais ça glisse beaucoup. On a un arrêt au stand en course. C'était du côté de chez Toro Rosso pour Carlos Sainz. Et je crois également Max Verstappen, qui était le premier des deux pilotes en piste et qui est donc celui qui a la priorité sur la stratégie aux arrêts au stand, vous le savez. Retour avec le désormais leader de ce Grand Prix en pneu médium, Stoffel Van Dorn. Cinquième tour de course. Déjà, ça passe très vite alors que le tour est très long. Ici à Suzuka, il n'y aura que 27 boucles à effectuer. Un peu moins que du côté de Singapour, mais ici on va quand même beaucoup plus vite. À bord de la voiture de Kimi Raikkonen, qui est l'un des prétendants au titre, on le rappelle, face à Rosberg et Hamilton, par exemple, qui sont très très loin dans ce Grand Prix. On va voir si le Finlandais peut s'emparer avec des pneus techniquement plus rapides, plus performants que ceux de Van Dorn, de la tête du Grand Prix avant l'arrêt du pilote belge. Oh, attention, Van Dorn qui est large et Raikkonen qui n'en demande pas plus. On le contact entre les deux roues. Et Raikkonen qui s'empare de la tête du Grand Prix à la sortie de Spoon. Et Van Dorn derrière qui va pouvoir attaquer. De retour sur la Ferrari. À l'aspiration du Finlandais. L'attaque peut-être dans le centre interne. Oh, c'était extrêmement risqué cette manœuvre du pilote belge. Oh, il replonge à la chicane. Et ils sont côte à côte. Et Raikkonen reste devant, mais non. Van Dorn qui reprend la tête. Va-t-il avoir également le DRS? Et oui, à l'avantage du pilote belge. Et il va donc pouvoir conserver la tête. Quelle superbe lutte entre les deux pilotes qui n'ont pas encore ravitaillé. Mais un est en pneu sec et l'autre est en pneu médium. En pneu slick tendre, médium, on ne sait pas. Et qui va tirer son avantage pour l'instant? Avantage peut-être au pilote belge qui est dans une meilleure phase avec ses gommes. Mais Raikkonen va très vite avoir un écroulement de ses chronos. Pour éviter cela, bon nombre de pilotes choisissent les stands, c'est le cas en ce moment, vous le voyez avec une pit lane assez occupée. On devrait voir d'ailleurs qui va observer un arrêt au stand dans le peloton. Et regardez Raikkonen qui ne lâche pas le morceau, il veut la tête de ce Grand Prix. Van Dorn qui est obligé de passer par tous les subterfuges possibles en piste pour conserver et préserver surtout Raikkonen. Ça peut aider aussi quelqu'un d'autre, Fernando Alonso, dans son deuxième relais. Alors on n'a pas vu en quoi il était reparti, le pilote de la McLaren numéro 14. Je pense qu'il était reparti en pneu médium après son premier relais en pneu slick. I'm not gonna be able to handle Raikkonen more than two laps. Et voilà, le message est clair du côté de Stoffel Van Dorn. Deux tours pour retenir Raikkonen, pas plus. Et on est avec le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, à la chasse de l'une des Williams dans Spoon. Et on se bat ici pour la quatrième place. Avec les arrêts au stand, ça fait évidemment un peloton bien plus éparse. Troisième, il y a une Force India. Et à l'aspiration, est-ce qu'Hamilton peut déboîter la Williams? On va suivre ça en caméra embarquée avec le Britannique. Ah non, il ne peut pas attaquer évidemment dans le centre terre. Il n'y a qu'une trajectoire, ça devient compliqué. Peut-être à la chicane. Et non. Et on reste sage du côté d'Hamilton. Je crois que ça va rentrer d'ailleurs du côté de Valtteri Bottas. Non, Bottas continue, mais Hamilton lui plonge. Et intéressant de voir quelle stratégie a été choisie par Mercedes. Et effectivement, c'est logique, on monte des pneus durs. On n'a pas perdu trop de temps alors que devant, c'était, je crois, Nico Hülkenberg. Voilà, qui rentre pour observer son arrêt. Et ce n'est pas le seul, puisque Romain Grosjean repasse pour un deuxième train de pneus soft. Le Français qui repart en piste. Et un Français, on en passe à un autre avec Esteban Ocon qui est en train pour l'instant de ruiner la course de Fernando Alonso, puisqu'il est devant le pilote espagnol. Et pareil derrière Magnussen qui est en train de retenir Vettel
Vettel qui, on le rappelle, est parti en pneus durs hein, depuis son premier arrêt, non pas en pneus médium comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, Alonso qui va passer Ocon et Vettel qui va passer Magnussen avant le 130R. Voilà, c'est fait pour le pilote Ferrari. Ça n'a pas été simple cette manœuvre, beaucoup de temps de perdu dans ces derniers moments du tour ici à Suzuka. Le troisième secteur qui laisse désormais libérer les voitures de tête. Et Magnussen qui continue. Fait une belle course Magnussen en pneu médium pour le moment avec la Renault. Il vient de se faire passer par Vettel. On est dans les points du côté de la Renault, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. On voit également derrière Kimi Raikkonen qui va devoir trouver la solution sur Magnussen. So for the moment the only car we race is Raikkonen, right? Et Van Doorn qui se renseigne auprès de McLaren pour savoir face à qui il roule. Et en effet, la seule course à mener est celle face à Kimi Raikkonen. Le classement, Van Doorn, Bottas, Alonso. Seuls Van Doorn et Bottas n'ont pas encore observé d'arrêt parce que c'était les seuls pilotes à avoir opté pour des pneus médiums à l'issue de la Q2. Bottas y étant resté coincé et Van Doorn ayant réussi à se placer au 10e rang avec ses gommes. Preuve que la McLaren évolue bien, c'était tout à fait impensable de faire ça en début de saison. Vettel, tiens, bloqué derrière Magnussen. Raikkonen avait réussi à s'en séparer. Raikkonen qui tombe d'ailleurs en ce moment même sur Esteban Ocon et la Manor qui a retrouvé ses couleurs habituelles. Après, je vous le disais, donc une opération publicitaire pour l'un des sponsors lors du Grand Prix de Malaisie. L'année prochaine, on ne sait pas encore qui pilotera pour Manor. Puisqu'il y a le baquet actuel que vous voyez qui est en discussion. Et si ça continue de la sorte, il va bientôt sauter de chez Renault, le pilote danois. Et Vettel dans le 130R qui, au chausse-pied, parvient à imposer sa suprématie, tout comme Raikkonen juste devant, on ne l'a pas vu. Mais voilà, Pascal Wehrlein qui s'est fait passer au moment où il observait un arrêt au stand. Wehrlein qui est candidat à un baquet pour l'année prochaine, celui peut-être de Renault ou de Force India. Alors on voit mal comment... un pilote pur produit Mercedes pourrait se retrouver chez Renault, mais on ne sait pas qui sera conservé l'année prochaine chez Renault. On parle de Magnussen avec peut-être Hülkenberg, on parle peut-être de mettre Esteban Ocon du côté de chez Renault. Beaucoup de discussions en ce moment, on ne sait pas qui pilotera ni pour Renault, ni pour Manor, ni pour Haas. C'est assez difficile à savoir. Alors Force India, évidemment, certains parlaient de voir Perez et Bottas chez Renault. On est sûr que Bottas sera l'année prochaine chez Williams. La retraite annoncée de Felipe Massa laisserait un autre baquet libre chez Williams, donc il peut encore y avoir beaucoup de choses, mais vous en saurez plus de toute façon à partir du Grand Prix prochain qui se déroulera aux États-Unis. Tiens, Stoffel Vandoorne, dont on le retrouve avec des pneus qui n'ont pas la même couleur, et pour cause, le pilote belge a observé son premier arrêt, laissant ainsi le commandement à Fernando Alonso. Belle pioche pour le pilote belge. Et donc Alonso est en tête avec des pneus soft, médium pardon. Suivent ensuite deux voitures en pneus hard, trois même, puisque l'on a Van Doorn, Raikkonen et Vettel qui sont désormais à la chasse du duo de McLaren qui mène toujours ce Grand Prix. On est toujours un peu plus en retrait ici avec eh bien, le pilote danois Magnussen que l'on vous montre beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il détient un peu les clés des transferts restants dans cette saison 2016 de Formule 1. Allez, on retourne avec le leader Alonso dans le fond de votre image et la caméra embarquée sur l'arceau de Van Doorn. Et l'arrêt au stand d'Alonso. Oh, c'est très très tôt ça. Eh bien oui, puisqu'il était avec des pneus soft. Et donc ça veut dire que deux relais très courts pour Alonso avant de laisser place à un relais en pneus hard. Stratégie intéressante et ça laisse donc Vettel monter sur le podium. Dixième tour de course, on est dans l'épingle avec un Raikkonen qui en pneus hard. Eh bien fait parler l'expérience de Ferrari et les compétences des ingénieurs, puisque la machine est meilleure tout simplement que la McLaren. Encore sur le papier théoriquement. Et eh bien il n'en faut pas plus à Raikkonen pour se montrer le plus véloce. Ici on a une brochette, si vous me passez l'expression, assez intéressante avec eh bien, un pilote allemand qui est bien coincé. C'est Nico Rosberg, il est derrière l'une des Toro Rosso avec un ponton côté gauche assez abîmé après le contact qu'il a subi en début de course. Alors Rosberg, il a vraiment pas de chance entre l'accident avec Van Doorn et l'accident ici avec avec la Red Bull, ça n'était pas gagné. Alors que Raikkonen s'empare de la tête du Grand Prix. Oh, et le retour de Van Doorn dans la chicane Casio. Et le Belge qui parvient superbement à reprendre l'avantage. Alors qu'ici, Hamilton va céder face à Alonso. Alonso qui est reparti en pneu, tiens, en pneu médium et pas en pneu dur, assez intéressant. Il y aura sans doute un deuxième arrêt pour
un troisième arrêt déjà, mais un deuxième en pneu médium pour l'Espagnol. À surveiller d'ici la fin de la course. Pour l'instant, deux pneus hard en tête. Raikkonen derrière Van Dorn et Ricciardo en médium derrière qui tente de suivre. 11e tour de course. On retourne sur la lutte qui oppose Magnussen à désormais, je crois, Marcus Ericsson qui pourrait également perdre son volant. Eric Sauber qui est en discussion avec pas mal de sponsors et de pilotes. Attention parce que là, ouais, Magnussen qui se retrouve à l'extérieur. Ericsson qui ne veut pas céder. Il n'y aura pas de la place pour les deux, messieurs. Attention, ils sont côte à côte dans la montée. Est-ce qu'Ericsson peut résister? Ericsson qui résiste. Oh, il va aller attaquer Magnussen. Il se touche encore. Attention parce que là ça peut virer au drame si ça continue. Magnussen à l'intérieur qui va chercher Ericsson. Oh, il se touche. Et c'est l'accident et Magnussen est arrêté sur trois roues au milieu de la piste. On voit Nasser qui passe. Va-t-on sortir la voiture de sécurité ici? Ce qui serait une catastrophe pour les pilotes en pneus durs devant. Et pour l'instant la direction de course ne bronche pas. Mais que s'est-il passé pour le pilote de la Renault? Eh bien il est allé toucher Nasser malheureusement. Attention parce que Raikkonen revient pour la tête du Grand Prix. Si la safety car est sortie, ça peut être décisif pour les stratégies. L'attaque du pilote finlandais. Va-t-il chercher le Belge dans le centre en terre? Il se porte à la hauteur, ils sont côte à côte, ils se touchent. Et Raikkonen qui finit par soulager. Mais ça s'est passé de manière très fine dans cette partie du circuit. Raikkonen qui était en train de se battre. Oh, et Van Dorn est là également à la dérive. Le DRS pour Raikkonen qui n'a pas terminé. Nouvelle charge du finlandais. Attention, ils arrivent dans le premier secteur. Et l'attaque de Raikkonen à l'intérieur. Van Dorn ne peut pas résister. Est-ce qu'il peut croiser Raikkonen qui bloque ses roues? Et il se loupe tout seul, le finlandais. Wow, that was insane and crazy by Raikkonen. Crazy move, really. Et du côté du pilote belge, on apprécie l'attaque de Raikkonen, mais c'était un peu fou, effectivement. Difficile de passer en freinant au panneau trop tard. Et regardez, eh bien la Renault qui a sans doute été se garer en bord de piste, on ne l'a pas vu. Mais quel accident idiot! There's a lot of debris in the S's, like something really bad happened here. Et Van Dorn qui dit qu'il y a beaucoup de débris dans les S, effectivement. Le triangle de la Renault qui a cassé. Et il y a peut-être beaucoup de carbone de ce côté-là de la piste. On te tient au courant s'il y a du nouveau. Et attention parce que là, Raikkonen qui va pouvoir passer peut-être sur Van Dorn et non. La belle défense du pilote belge alors qu'ici on est avec... Max Verstappen qui résiste à la Mercedes de, je pense, Lewis Hamilton, effectivement. Et Hamilton qui revient très bien après un Grand Prix compliqué avec les pneus durs montés, tout comme Verstappen. Attention parce que ces deux-là, c'est pas la première fois cette saison qu'ils sont opposés en piste et ça a déjà terminé de manière un peu fébrile hein, entre les deux. Et le dépassement, 5ème place désormais pour Hamilton qui n'a laissé aucune chance à Verstappen. Et regardez qui est 3ème désormais, Sergio Perez. Et l'attaque, de nouveau Raikkonen à l'extérieur qui tente sa chance. Et Van Dorn qui résiste, poussant le Finlandais à mettre deux roues dans l'astroturf dans ce premier droit. Une belle défense du pilote belge qui se contente simplement de rester sur la bonne trajectoire, empêchant ainsi Raikkonen de mieux réaccélérer. Eh bien dites-moi, quelle lutte pour la tête entre la McLaren et la Ferrari. Alors attention, il doit encore y avoir des arrêts pour ces deux pilotes. Par contre, derrière, Fernando Alonso pourrait peut-être tenter de revenir et pourquoi pas se joindre à la lutte puisqu'ils perdent du temps. Ces deux-là à se battre en plus en étant en pneus hard, les pneus les plus lents. On vous le rappelle, hein, entre les softs, les médiums et les hard, les bandes rouges sont les pneus les plus lents. Alors on va voir qui peut aller le plus loin entre Raikkonen et Van Dorn et surtout derrière... Si Perez peut revenir. Attention, Van Dorn qui touche Raikkonen. Aïe, 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 Raikkonen qui a été trop gourmand et qui s'est fait toucher par le pneu arrière de la McLaren. Va-t-on assister à une crevaison lente pour Van Dorn qui a touché l'aileron de Raikkonen mais qui n'a pas touché son pneu? On va voir. On va voir pour l'instant. Ça continue. On est ici avec Sergio Perez, le Mexicain. Troisième de ce Grand Prix qui doit résister à Alonso qui est pour l'instant en folie dans les secteurs. Il nous enchaîne les secteurs dans le mauve pour l'instant. Le pilote d'Asturie et derrière il y a Lewis Hamilton qui ne peut rien faire pour l'instant. Alonso dans le centre en terre sur Perez, la troisième place de ce Grand Prix est en jeu. Et les deux pilotes latins qui s'expliquent et c'est désormais Alonso qui est troisième. Et attention parce que Perez va devoir résister maintenant à Hamilton qui revient, voilà, avec l'assistance du DRS sur le Mexicain. Oh, et on est rentré derrière pour... je crois Max Verstappen, l'attaque, attention parce que Perez a également le DRS, ces deux-là sont très proches.
L'attaque d'Hamilton dans les S et il ne peut pas passer. Alors qu'il y a un peu de nuage qui vient gonfler et remplir le ciel de Suzuka. Oh, et les deux Sauber ici à l'explication. Il y a Ericsson. Il y a Carlos Sainz. Attention, on est sur le museau de la Sauber. Le petit coup d'œil de Ericsson qui laisse passer. Est-ce que la Toro Rosso va se débarrasser des deux Sauber en un virage? Non, ça ne peut pas freiner. Ouais, c'est bien joué. Et Carlos Sainz qui passe donc devant Ericsson et Nasser dans la même ligne droite. Bien joué de la part du pilote espagnol avec la modeste Toro Rosso moteur Ferrari. On sait que l'année prochaine, ça devrait être eh bien, le bloc français, le Renault, qui animerait de nouveau les Toro Rosso comme il y a de cela deux saisons. Et peut-être, pourquoi pas, rebadger Renault chez Red Bull qui pour l'instant évolue toujours avec le bloc français renommé Tagueyer. Retour sur la lutte pour désormais la quatrième place avec Perez qui doit toujours résister à Lewis Hamilton, le Britannique qui revient très très fort sur la Force India. Et je pense que cette fois-ci ça va être compliqué de résister. On va essayer de voir ça avec Hamilton en caméra embarquée. Voilà l'attaque avant même le 130R. Hamilton qui dépose littéralement Perez. Attention, Perez qui va peut-être réattaquer à la chicane. Non, pour l'instant on n'a pas vu trop d'attaques à la chicane, à part Van Dorn et Raikkonen et Vettel qui s'essayaient tout à l'heure à la manœuvre. Les pilotes sont plutôt sages dans ce Grand Prix du Japon. Retour de Perez avec le DRS sur Hamilton. Va-t-il pouvoir regagner une position? Il est très vite, Perez, il attaque. Et voilà, Perez qui... Oh, et les deux qui vont à l'extérieur et le contact. Et oui, Perez qui se demande pourquoi Hamilton n'a pas soulagé. Et il ne lâche pas le pilote britannique. Oh, attention, parce que ça pourrait finir comme tout à l'heure avec Ericsson qui a dû toucher Magnussen. S'il voulait rester en piste, et bien voilà, et bien Hamilton a réussi à garder quand même une belle quatrième position devant. On retourne sur la tête de course avec et bien Van Dorn bien installé en tête devant Raikkonen. Quelques secondes les séparent alors qu'on est né dans le 15e des 27 tours de course de ce Grand Prix du Japon, avec Felipe Massa, l'explication avec les Sauber qui sont dans toutes les luttes aujourd'hui, décidément. Ericsson qui laisse passer. Jalen Palmer derrière, puisqu'on sait désormais que c'est la seule Renault encore en piste. Palmer qui fait une bonne saison pour l'instant. Qui a une chance, peut-être, de conserver son baquet pour la saison prochaine. Oh, les pneus devraient encore tenir un moment. Fais juste attention dans les virages rapides. Il va falloir que tu freines fort pour pouvoir négocier les prochains virages. Les freins sont froids. Et on informe Stoffel Vandoorne que les pneus et les freins sont frais, évidemment. La température a bien baissé ici, 3 degrés de moins que tout à l'heure. Et ça change pas mal la donne au niveau notamment des pressions des pneumatiques. Avec, je pense, Nico Hülkenberg qui doit résister à Daniel Ricciardo. Ça va être compliqué. Ricciardo est passé. Ricciardo qui est passé dans le 130R. 130R, un virage mythique de la Formule 1. Oh, et Van Dorn dans le gravier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Stoffel Van Dorn? Il y a un problème sur la McLaren. Et Van Dorn qui est allé mettre la McLaren dans le gravier. Attention, parce que ça a permis à Raikkonen de revenir. Et oui, 3 secondes quasiment de perdu pour le Belge. Et il n'en fallait pas plus au Finlandais pour faire la jonction. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas où en est Raikkonen. On retourne sur la lutte Perez, Rosberg après Hamilton qui a réussi à se débarrasser de la Force India. C'est désormais au tour de Rosberg. Alors on va voir si ça peut passer tout simplement du côté de chez Rosberg. Normalement la voiture pour aller attaquer Perez. Et les deux Mercedes qui se retrouveraient désormais eh bien 4 et 5e, ce qui serait plutôt pas mal, sachant qu'Hamilton partait 17e et que Rosberg était dans l'herbe au premier secteur de ce Grand Prix. Donc beau retour des deux Mercedes. Les flèches d'argent qui ont besoin de lutter face aux Ferrari si elles veulent garder leur chance au championnat pilote et constructeur. On rappelle qu'au championnat pilote, c'est égalité parfaite hein, pour l'instant. Bien malin qui pourra nous donner le nom du champion. Et Rosberg qui va de nouveau gagner quelques points avec ce dépassement. Attention dans le 130R. Et c'est passé sur Sergio Perez qui laisse passer Rosberg. Attention. Désormais, le Mexicain va pouvoir bénéficier du DRS devant notre cabine. Ils sont là, on les voit. Ils descendent maintenant.
Un petit souci à la réaccélération pour Perez qui, je ne pense pas, pourra aller attaquer. Attention, l'arrêt de Lewis Hamilton, le premier des hommes de tête. Et il y avait une Ferrari aussi qui est attendue, ou qui est déjà peut-être passée. Hamilton qui repart donc en pneu dur. On a une Toro Rosso qui s'arrête. On a une Force India également. Ce serait Sergio Perez, logique. Ici, c'est Daniil Kvyat, le Russe, qui opte pour un nouveau train de pneus hard. Même opération effectuée chez Force India pour Nico Hülkenberg. On libère l'Allemand. Alors que passent Nasser et Palmer. Il va ressortir au-delà du top 10. Arrêt au stand pour Marcus Ericsson, je crois, le Suédois. On va le voir avec le casque jaune. Effectivement. Et un nouveau train de pneus hard pour le Suédois. Et ça repart. Pour la voiture numéro 9. Qui est également bien marqué des contacts multiples qu'elle a subis, notamment avec la voiture de Magnussen dans Spoon, à la sortie même de Spoon, avec les deux McLaren en tête. On a du mal quand même de vous dire ça dans ces commentaires ici du côté de Suzuka, mais c'est un petit peu un rêve éveillé. Mais attention, parce que derrière, la charge est absolument intense pour un Rosberg à 15 secondes devant Dorn, et surtout Alonso. Oh, et Van Dorn qui bloque ses roues, il va falloir penser à rentrer. Et oui, avertissement, virage coupé. Attention à l'investigation qu'il pourrait y avoir face à la McLaren de Van Dorn, la 91, qui est en train de glisser peut-être un peu trop. On l'a vu dans le gravier au tour précédent, et désormais on le voit aussi en difficulté. Alonso est au box. Regardez désormais l'attaque d'Hamilton. Bottas qui a dû laisser passer Hamilton sous peine de se voir mettre dehors de la piste. Les deux Mercedes sont en train de, pour l'instant, faire les deux secteurs les plus rapides. Et l'arrêt de Bottas qui va aller chercher, je pense, un nouveau train de pneus hard alors qu'on sort du côté de chez Ferrari. Et Van Dorn de nouveau dans le gravier, attention! Et Van Dorn qui perd peut-être un peu trop de temps. Et on libère Bottas avec un nouveau train de pneus hard. Arrive en trombe de Nasser et de Palmer. Alors là, ils sont vraiment... L'un derrière l'autre, ce sera une lutte de mécaniciens. Esteban Gutiérrez, dont l'avenir est également assez flou, est au box. Et ça repart pour la Renault. Et la Renault qui est passée devant la Sauber. Voilà. Et voilà, c'est fait aussi pour Gutiérrez. L'arrêt au stand du côté de Van Dorn, il n'est pas pour tout de suite. Il va encore falloir tirer deux tours sur ce pneu intermédiaire. Peut-être. Ouais, et ça continue. So guys, condition with the tires is really critical, really critical. I don't think I can handle more than two laps with these tires. No more than two laps. It's really critical, guys. We have to take a decision now. Sergio Perez qui poursuit, alors que derrière, je crois que c'est Carlos Sainz qui vient pour chercher un deuxième train de pneus médium. Ou un train de pneus durs. Je pense qu'on va monter des durs, effectivement. Et changement de capot, c'était peut-être pas prévu cet arrêt. Changement de museau pour le pilote espagnol, peut-être des problèmes, des turbulences, alors que Massa également est venu chercher des pneus neufs. Ce sont des hard, je pense que tout le monde va terminer ce Grand Prix en pneus hard. La Manor de Esteban Ocon, flanqué du numéro 31 qui repart avec des pneus hard. Beau Grand Prix pour l'instant du pilote français, assez discret, mais ça se bat beaucoup. Il est 21e alors que passe un tour plus tard Stoffel Van Dorn. 20e tour de course, il fait très nuageux, mais pas de pluie au programme. Van Dorn qui va devoir à la fin de ce 20e tour observer son dernier arrêt de la course. Et on va voir s'il peut repartir devant ou derrière Kimi Raikkonen et Alonso. Pour l'instant au niveau des secteurs, je pense que Raikkonen reprendrait la tête de ce Grand Prix. Et regardez les conditions dans lesquelles doit piloter Van Dorn. Ça glisse énormément pour le premier secteur et le troisième. Le deuxième, ça va un petit peu, c'est moins rapide, mais... Regardez le nombre de corrections que doit faire dans son volant le Belge. L'attaque des deux Degner est sous le tunnel. Verstappen avec des pneus hard neufs qui va aller chercher Sergio Perez. Et c'est passé pour Verstappen qui freine tard. Oh, et Perez ne peut pas replacer son museau à l'intérieur. Bien joué de la part du jeune pilote néerlandais, que l'on devrait retrouver évidemment l'année prochaine chez Red Bull. Arrêt au stand pour Stoffel Van Dorn, c'est confirmé. On sort tout le matériel devant nous chez McLaren. Enfin, en dessous de nous précisément.
La sortie de Spoon, alors qu'il y a deux voitures qui sont très très proches dans la ligne droite des stands, c'est Carlos Sainz et Felipe Massa. Alors je ne peux pas trop vous dire pour quelle place on se bat ici. Je crois que c'est pour la 13 ou 14e place qu'il y avait explication entre ces deux-là. Mais il y a encore des pilotes qui doivent observer leur dernier arrêt de la course, comme par exemple Stoffel Van Dorn. Le voilà. Et ça plonge pour le pilote belge. Attention à ne pas dépasser. Oh, la vitesse limitée, c'était tout juste là. Les 80 km/h réglementaires. On est prêt chez McLaren pour aller au bout. On quitte les pneus hard pour un deuxième train de hard. Ah, c'est pas très rapide comme arrêt, on a déjà vu mieux. Oui, voilà, Raikkonen déboule de la chicane. Va-t-il être en tête à la sortie? Raikkonen qui passe plein pot. Raikkonen prend la tête du Grand Prix. Et Van Dorn qui ressort deuxième devant Fernando Alonso. Ah, maintenant, on va avoir une lutte intéressante. 6 tours pour savoir qui va remporter ce Grand Prix. Raikkonen est avec des pneus bien plus usés. Oh là là, que Van Dorn qui est allé encore tenter de mettre les pneus au-delà des limites de la piste. C'est très serré. Bon, alors sincèrement, je vois mal Alonso aller chercher ce Grand Prix du Japon pour lui. Mais Van Dorn peut peut-être faire la jonction avec Raikkonen. Ici, on a Nasser, Palmer, et je pense Romain Grosjean derrière Ericsson au premier plan. L'attaque de Palmer sur Nasser. Oh, est-ce que ça peut passer? Oui. Et bel échange de position. Et ce n'est pas Grosjean. Autant pour moi, c'est Esteban Gutiérrez qui est derrière. Attention, parce que Nasser va maintenant avoir à son tour le DRS et va pouvoir peut-être repasser le jeune Britannique Palmer. Julian Palmer qui va se faire attaquer. Voilà Nasser au bout de la ligne droite des stands. L'attaque à l'intérieur. Est-ce que ça passe pour la Sauber? Ils freinent côte à côte. Ils vont tous dans le gravier. Et Nasser est passé. Et Gutiérrez qui va peut-être en profiter aussi pour se placer face à Palmer. Il tire sur le coup. Et ça passe pour Gutiérrez peut-être. Palmer qui résiste. Belle lutte entre les deux hommes là dans les S. Ils sont chacun côte à côte. Ils ne doivent pas se toucher. Et pendant ce temps-là, Nasser s'envole devant. Et on se battait pour une 17e place. Rendez-vous compte entre ces deux-là. Dans le fond d'image, Pascal Verlaine qui continue à revenir. De devant et de 4,2 secondes. Il chausse des pneus durs usés. Le dernier tour a donné 1 minute 38,5. Raikkonen en tête pour 4 secondes face à Van Dorn qui va, je ne pense pas, pouvoir aller le chercher dans les 5 derniers tours de ce Grand Prix. Et pour l'instant, un Grand Prix plutôt agréable au niveau de la fiabilité, un seul abandon sur accident. On avait peur que les moteurs jouent des mauvais tours à certains pilotes ici. Regardez le ciel qui est partiellement, même complètement, j'allais dire, couvert de nuages. Quelque chose à surveiller, évidemment. Et on continue avec Palmer et son DRS. Je ne sais pas pourquoi on nous montre particulièrement les Renault dans ce Grand Prix du Japon. Mais on les a bien souvent à l'antenne. Alors, elles sont connues pour casser pas mal en début de course. Ce serait bien de les avoir tant qu'elles sont en état de fonctionnement. Je rigole évidemment. Avec le leader Kimi Raikkonen, bien parti pour aller de nouveau inscrire son nom sur la partie haute du tableau dans la chicane impériale. Raikkonen, alors qu'on entre dans les ultimes boucles de ce Grand Prix, il va falloir se décider si on veut un vainqueur. Et pour l'instant, eh bien, les paris semblent donner vainqueur. Kimi Raikkonen avec Van Dorn maintenant. À l'entame d'un nouveau tour ici. Regardez Van Dorn qui est bien plus à l'aise que tout à l'heure avec ses gommes bien plus fraîches. Et il va rester moins de 5 tours de compétition ici. Avec de nouveau Gutiérrez et Palmer. Le réalisateur doit avoir des connaissances dans la famille de Gutiérrez ou de Jim Haas. Et pas de pilote japonais au départ. Le dernier a été Kamui Kobayashi ici, on s'en rappelle. Des pilotes japonais qui n'ont jamais été très plébiscités par la F1 malheureusement. Entre Takuma Sato, Aguri Suzuki et Yuji Hide par exemple, on n'a pas eu non plus de grands champions. Mais il y a eu quelques podiums effectués par les pilotes japonais. Ah, et des voitures sont au ralenti. Et on aurait... Oui, voiture de sécurité virtuelle. Non, c'est Vettel qui a un problème.
c'est Vettel qui a un problème. Vettel qui se fait passer par Perez et par Ricardo. Qu'est-ce qui se passe pour Vettel? Ouais, crevaison! Crevaison à l'avant-droit pour Vettel. Catastrophe pour le pilote allemand. Il est 9e pour le moment, mais il va devoir aller faire un tour complet avec cette crevaison. Il s'arrête dans la chicane alors que passent Nico Hülkenberg, Massa et Verstappen. Ah là là, drapeau jaune chez nous ici. Et voiture de sécurité virtuelle déployée à 4 tours de l'arrivée. Ah, et Vettel qui ralentit énormément. Et peut-être que des débris sont restés sur la piste. En tout cas, on est désormais voilà à la fin du régime de voiture de sécurité virtuelle. Et on reprend un rythme de course dans le 24e des 27 tours de course. Et désormais, eh bien, il va enfin arriver à dépasser Ricardo sur Perez. Attention parce que ces deux-là ici dans le centre en terre, c'est très serré. Et Perez qui doit aller au-delà de la ligne blanche. Et il cède sa 6e place au pilote de la Red Bull. Attention parce qu'il ne va plus rester beaucoup de tours ici. Et les places vont commencer à valoir cher. Et incroyable, les Mercedes qui continuent. Vettel qui est reparti avec un train de pneus neuf, évidemment, après ses soucis. Et c'est dramatique pour Ferrari parce que chaque fois qu'une voiture fonctionne bien, et bien l'autre est en proie à beaucoup de problèmes. Et les deux McLaren qui pour l'instant sont sur le podium. Hein. Les deux McLaren sur le podium au Japon, je pense que c'était pas gagné en début de saison. Et le travail fourni par Alonso et Van Dorn ainsi que toute l'équipe d'ingénieurs eh bien, est en train de porter ses fruits. Et on est en train d'assister peut-être au plus beau Grand Prix de McLaren même s'il n'y aura pas de victoire. Sincèrement, avoir les deux voitures sur le podium après Singapour et la casse moteur de Vettel, ce serait vraiment absolument somptueux pour eux devant eh bien, tout le staff Honda présent ici. On est sur le circuit test de McLaren évidemment. Alors, on est avec Bottas, Verstappen, et devant, je pense, Hülkenberg. À moins que ce soit Perez qui continue à crouler au classement, mais je ne pense pas. Et le Néerlandais qui poursuit son apprentissage. Et oui, c'est bien Hülkenberg, Bottas qui sont devant. Verstappen, on devrait avoir une attaque de Verstappen, hein, je pense, avec le DRS et Bottas aussi. Les secondes de Perez devant eux. Sont comptés. Bottas qui charge et qui passe Hülkenberg, 9e place. Et derrière, hey, Verstappen qui ne peut pas s'infiltrer. Et c'est toujours extrêmement tendu. On a eu pas mal de pilotes qui se sont plaints en essai libre en fait du soulagement que certains opèrent à la sortie du centre en terre parce que c'est très dangereux. Ça peut créer une telle différence entre les pilotes qui passent pied à fond et ceux qui soulagent que l'on a failli avoir quelques accidents lors du vendredi matin notamment. Mais lors du briefing, eh bien, on a eu mise au clair de la part de la direction de course sur comment il fallait prendre ce virage pour éviter les accidents. On se rappelle qu'en 2002, eh bien, Alan McNish, le pilote écossais, est allé pulvériser sa Toyota dans ce virage-là. C'était quelque chose de monstrueux. Le 130R avec Julian Palmer qui attaque à l'extérieur de la serre. Oh, et Palmer qui est touché et qui va percuter la frigolette. Attention, et Ocon qui le percute. Aïe, 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 Julian Palmer qui est dans le mur. Drapeau jaune, que s'est-il passé? Le replay tout de suite avec Nasser qui envoie Palmer en tête à queue, qui ne peut rien faire et qui est percuté par Esteban Ocon. Comment s'en sort Julian Palmer? Drapeau jaune dans le 130R évidemment. Abandon du pilote britannique, il n'y aura pas de Renault à l'arrivée de ce Grand Prix du Japon malheureusement. Après Magnussen qui s'est fait sortir par une Sauber, la deuxième Sauber a remis attaqué à Renault. Et c'est désormais... Eh bien, Esteban Ocon qui prend les 5 secondes de pénalité. Un nouveau museau pour le Français. C'est dommage, il faisait une belle course. Et voilà, 5 secondes de pénalité. On ne touche pas à la manœuvre. Et voilà, on peut désormais observer le changement de museau. Et on remonte des softs. Mais la course est terminée pour le Français. Quel dommage. Et Julian Palmer qui est OK. Il sort de la voiture. Vous ne le voyez pas à l'image, mais... Le pilote britannique est OK, mais quel choc, quel tampon de Palmer. Deux chocs à l'arrière dans la Renault qui est déjà évacuée d'ailleurs. On va reprendre un rythme de course normal. Voilà, alors qu'on est dans le dernier tour. Et dernier tour de course et ça semble bien parti pour Kimi Raikkonen qui va aller remporter un nouveau Grand Prix cette saison devant potentiellement les deux McLaren qui sont en pneus durs. Et ensuite, eh bien, ce sera les Mercedes. Esteban Gutiérrez qui abandonne.
Un drapeau jaune dans le poste 49. Les commissaires qui agitent les drapeaux jaunes à la sortie de l'épingle. Et c'est une casse moteur. Et bien voilà la casse moteur pour le pilote mexicain. Quel dommage. On va revoir ça. Et oui, casse moteur pour Esteban Gutiérrez. Et la Haas qui vient s'immobiliser dans l'herbe. C'est terminé. Drapeau jaune, Vandoorne et Raikkonen qui viennent de passer au niveau de la Haas. Voilà, sortie du centre en terre. Kimi Raikkonen qui va s'imposer ici au Japon et qui va surtout prendre la tête du championnat du monde des pilotes. Voilà, Kimi Raikkonen qui gagne le Grand Prix de Suzuka. C'est fait. Nouvelle victoire pour la Scuderia Ferrari. Bravo à eux. Bravo Kimi. Oh, et Vandoorne qui se loupe. Attention, Vandoorne qui s'est loupé à la chicane, mais ça devrait le faire également derrière pour Alonso. C'est fait, tout le monde est debout ici et la victoire quasiment pour Vandoorne qui lève les points après ce superbe podium pour McLaren Honda devant eh bien, tout le staff des motoristes japonais. Bravo à eux. Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Et voilà, c'est là où ils veulent tous être. Nous retrouvons nos trois vainqueurs qui avancent vers le podium après un Grand Prix d'anthologie. Et les résultats de ce Grand Prix, victoire donc de Kimi Raikkonen devant Vandoorne, Alonso et Lewis Hamilton qui arrive à revenir 4ème partant 17ème. Rosberg se classe 5ème après son gros tête à queue, belle performance tout de même pour certains, notamment Pascal Wehrlein qui se classe 12ème avec la Manor. Le résultat des classements avec le classement pilote désormais, Raikkonen prend la tête pour 13 points devant Hamilton, c'est énorme à ce stade-ci de la saison. Rosberg est 3ème à 36 points, ça devient compliqué pour le titre alors que derrière, eh bien, on a Vandoorne et Vettel, je pense, vient désormais de dire totalement au revoir au titre de champion du monde derrière. Eh bien, Julian Palmer se fait passer par Pascal Wehrlein. Le classement constructeur ne bouge pas avec toujours l'avantage pour eh bien, la structure italienne qui se retrouve à 77 points derrière Mercedes face à McLaren. Bref, le résumé de ce Grand Prix du Japon est désormais terminé. Merci de votre attention et votre fidélité. On se retrouve toujours plus enthousiastes et plus nombreux du côté du quota pour la tournée américaine. Ce sera les États-Unis et enfin Mexico. Rendez-vous d'ici là, portez-vous bien, bon amusement et à la prochaine. Au revoir.